J'ai publié des poèmes, des nouvelles, des chroniques, des romans. Mais mon meilleur récit, je ne l'ai pas créé. Je l'ai vécu. Parti vers l'inconnu à 18 ans, j'ai rencontré la peur, l'ennui, la mort. Mais aussi l'aventure, la découverte et la fraternité. Et après 3 ans de Russie noire et blanche, j'ai fait le tour du monde à bord de trains et de navires russes, chinois, américains, français. Oui, j'avoue que j'ai passé là 1005 jours d'exaltation et de bonheur, à travers pourtant une des plus grandes tragédies de l'histoire, la Première Guerre mondiale.